soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Chapitre 20, les versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous !» Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous !» De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur, mais il le déclara. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Frères et sœurs bien-aimés, deuxième dimanche de Pâques, qui baptise dimanche de la divine miséricorde. Bon Dieu, comme être là, rappelez-nous, je vous dis, c'est la miséricorde que je veux. C'est ça, demandez-nous. De rappelez-nous ça. C'est pas pile sacrifice que nous avons fait, nous avons offert, qui passait avant, mais c'est d'abord la miséricorde. Jésus apprend-nous tout le sens de la communauté pour nous apprendre à mettre tête ensemble,
pour nous travailler, pour nous grandir la communauté, pour nous fleurir la communauté. Il y a un grand-père de l'Église qui est Elisabeth Légère, qui dit nous, c'est dans l'Église que Dieu nous voit, c'est dans l'Église que Dieu nous veut, c'est dans l'Église que Dieu nous aime. Bon Dieu, ouais, nous dans l'Église là. Bon Dieu, voulez nous rester dans l'Église là. Bon Dieu, remettons dans l'Église là. Pas gagner. Communauté. Vivante communauté de foi. Sans l'Église, pas gagner d'Église autour. Sans communauté de foi vivante. C'est peut-être ça. Je dis à Jésus-Christ, viens porter la paix, bah, nous chacun là. Pendant la montrer nous sens sacrement qui gagne en dans l'église que sacrement est important en pile. Nous Jean l'évangile là sous frappé dans son réunion. Comment bon Dieu pas gagner ni temps ni espace ni limite toute bagaille c'est pour lui. Nous même qui était là l'église là ou bien qui était dans notre paroisse ou bien qui t'a suivre la messieurs, sur les réseaux sociaux, samedi saint, pendant près de tu as béni siège Pascal là, nous avons rappelé nous qui s'apprête, tu dit pendant placé Grenassant. Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ni temps, ni siècle, toute bagaille net c'est pour lui. Pas gagné, pas pour lui. Temps, siècle, toute bagaille c'est pour lui. Il est Aleph et Tao, le commencement et la fin. Eh bien, c'est parce que Jésus qui n'a pas de limite, c'est parce que il n'a pas de rien, il n'a pas de franchir, il n'a pas de porte, il n'a pas de briser. Qui fait que nous, messieurs, nous sommes en confinement. Nous sommes confinés. Nous sommes peu juifs, nous sommes fermés pour nous. Nous ne voulons pas les sortir pour juifs, nous ne voulons pas battre, pour ne pas arrêter, pour ne pas faire de mal. Jésus qui traversé la limite, là, il est rentré pendant que la porte est fermée à clé, très dur. La porte est calfeutrée, tout petit tout dans la bouche. Jésus rentré, côté de passer. Fermez la porte là pour moi si on ne l'a pas passé. On entend des gens qui ont tourné la fumée, donc ils ont la porte fermée pour moi qui la fume au bas de l'air. Alors que Jésus, c'est bon fumer de l'étonné. Jésus, c'est bon vent quelconque, ou bien Jean-Noué, vanter quelconque. Mais il est Dieu, il fait ça, il fait ça, il est rentré côté de l'espace, il va gagner Kembel, et tout simplement rentré. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon Dieu, pas de limite. En disant ça avec moi. Bon Dieu, pas de limite. Bon Dieu rentre dans la vie de tout le monde. Il rentre dans la vie de tout le monde. C'est pour ça que le monde, probablement, nous avons marché bien gaillé. Nous-mêmes, nous avons dans le monde, où est-il pas bon, il critique, nous ceci, nous cela, nous les faux. Bon Dieu dit non. Nous ne pouvons pas juger, nous ne pouvons pas calomner en coup de roche à dans le cœur nous, mais c'est la miséricorde que je veux. Pourquoi pas boire mon flané comme ça dans la rue, la marcher comme un monde, comme ça, même si on parle avec la Bible en bas bras, ou bien chant d'espérance dans le ou bien gros, on a pris les bagailles en chantant, mais nous avons une relation avec mon Dieu, c'est lui-même seulement mon Dieu qui vous prend des bagailles comme ça. Ouais, cœur avec mon Dieu, c'est lui-même seulement avec mon Dieu qui vous prend des bagailles comme ça. Pas même un prêtre ou le confesser devant, il n'est pas capable de dire que ou saint ou bien ou coupable ou ceci ou cela. Parce qu'on est capable de confesser devant le prêtre là, c'est ça on voulait au bail. C'est ça on voulait au bail. C'est ça qui justement va déranger au cœur au bail. Tandis que Jésus-Christ, tout ça qui est dans le cœur, tout son dit, tout son pas dit, il ouais, tout bagaille, parce qu'il y a des puissances pour le fond des entrailles pour le rentrer dans le cœur, parce que Jésus sondait les cœurs et les reins. Et bien rentrer côté monsieur, qui s'allie côté bayou, il chasse la peur et il porte la paix. Et qui s'allie, la paix soit avec vous. Matin, je dis à en fait, divine miséricorde, Jésus-Christ portait la paix sur toute terre. Il portait la paix par tout le monde. Il portait la paix dans toute l'église, dans toute paroisse, dans tout le monde qui a assisté à la messe sur les réseaux sociaux. Il portait la paix. Ben non. Est-ce que vous êtes prêt pour recevoir la paix ça? Et lorsque vous recevez la paix ça que Jésus portait par vous, la paix ça a fait au bon cœur qui chasse la peur,
un cœur qui accueille vraiment yon paix. Et ce n'est pas une paix fourrée que Jésus qui portait. Ce n'est pas n'importe quelle paix. Ce n'est pas paix tant que yon moun ou bien deux peuples, deux nations mettaient ensemble, ou deux nations observées, yon qui tient relation diplomatique, yon, et puis en bas, pour bagay qui va marcher, ça que yon dans la diplomatie du mégaphone. La diplomatie du mégaphone qui polarise les relations entre les peuples et conduit à la confrontation où même si il y a fauté, il y a vendu des bagages dans le temps, mais menti en bas en torchon à bout. Ce n'est pas la paix, ça Jésus qui pote nous. Ce n'est pas une paix fouée, mais c'est la vraie paix que pote nous. La paix dans les yeux nous, la paix dans les oreilles, la paix dans la bouche nous, la paix dans les pieds nous, la paix dans les mains nous, la paix dans la tête nous. Jésus qui portait la paix dans la tête nous, matin, pour ne pas faire jugement téméraire, pour ne pas juger frère et soeur a priori. Jésus qui portait la paix dans les yeux nous, parce qu'en pile fois, yeux nous comme chrétiens, qu'on a regardé les bagailles, nous pas regardé sur Facebook, WhatsApp, vieille image, bagailles qui pas normal qu'on a regardé. Jésus qui portait la paix dans les yeux nous. Combien de fois il y a des chrétiens qui perdent du temps, qui passent nuit devant Internet, devant Facebook, WhatsApp, à regarder vieilles photos, monde décollé, monde tout tourné, monde qui a fait vieille danse, monde qui a dit vieille parole. Jésus-Christ portait la paix dans les yeux nous, matin pour nous suspendre, garder les bagages. Jésus-Christ portait la paix dans les oreilles, parce que comme chrétien, les bagages oreilles n'ont pas besoin d'entendre, qui n'ont pas utile. Parce que les oreilles, ils tendent, s'ils tendent un bagage qui est constructif, une chose constructive, il n'y a pas de vidéo, mais si il y a un bagage qui va utile dans les oreilles là, normalement, il n'y a pas de produit en rien, parce que c'est pour un bagage sérieux, mais attendez. Il faut de la peine dans les yeux, la peine dans les oreilles, il faut de la peine en bouche. Pour moi-même, pour vous-même, pour chaque monde qui l'a, pour tout le monde qui a tenté de nous, pour nous capables de pas dire, à bouche nous, ça nous pas nous dit. Pour nous pas parler, causer, nous pas nous parler. Dipote la paix dans la bouche nous. Dipote la paix dans le cœur nous. Pour nous capables d'ouvrir le cœur, aller. Pour jouer de côté pour le chita, pour le travail en dedans nous. Pour faire miséricorde à bien dans nous. Dipote la paix dans main nous. Mais nous comme chrétiens, pas de toucher toute bagaille qui pas fait mon Dieu plaisir, toute bagaille qui pas qui est incorrect. Mais nous pas là pour toucher bagaille ça yo. Mais nous pas là pour faire justice. Mais nous pas là pour faire crime, mais nous pas là pour faire des essais de complot, mais nous pas là pour faire rien qui n'est pas bon. Il faut de la paix dans mes noms. La paix dans pieds nous. Pieds nous, pas de aller de tous côtés. Pieds nous, de côté de rentrer. Pieds nous, de côté, pieds ça va de piler. Il faut de la paix dans pieds nous. Il faut de la paix dans caille nous. En façon pour nous-mêmes, qui chrétiens, pour nous capables de dire. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Du côté de la paix, dans la caille, est-ce que maintenant nous prêts pour nous accueillir la paix ça? Est-ce que nous prêts pour nous quitter la paix ça germer dans nous, pour nous quitter la paix ça grandir en tant que nous, pour nous quitter la paix ça grandir dans l'âme, dans l'esprit nous? La paix soit avec vous. C'est ça le beauté, by monsieur. Monsieur, accueillez la paix. Hein? Mais pendant que la paix ça yo accueilli, yo content, yo saisi, et en même temps, yo senti que yo chaud, parce que parole ça bouleversé. Jésus-Christ dit encore, la paix soit avec vous. Et c'est ça que fait. Ou est la paix tellement importante, même dans l'église, ou est dans la messe là, on partie qui dit Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas la foi de. En allez, nous ne pouvons pas connaître. Ne regardez pas. Très bien. Alors, l'hypothèse, ben nous, la paix ça. C'est la paix ça, les bails. Monsieur, maintenant, Gombagay dit là qui est très important. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il soufflait sur monsieur. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint.
sacrement confirmation que nous-mêmes chrétiens nous négligeons en pile fois. Nous faisons baptiser, nous communier et puis nous mettons confirmation de côté. Dans la culture haïtienne, dans le plan pastoral par mon Haïti, le nom communier, baptiser mon Dieu, nous communier après. Mais dans pile l'autre pays, ils ont baptisé d'abord, ils ont confirmé après, et puis après confirmation, ils ont baillé l'Eucharistie. Maintenant, chrétiens catholiques, nous devons connaître que les sacrements, l'initiation chrétienne, qui c'est trois, oui, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Sous baptisé, ou communié, ou pas capable de mettre sacrement, confirmation de côté. Alors que vous êtes dans le groupe, vous êtes chanté, vous êtes dans cette famille, vous êtes dans tout le mouvement, et puis vous ne pas recevoir confirmation. C'est confirmation même, oui, qui vaut, oui, comme disciple, comme missionnaire, comme témoin Jésus-Christ, oui, oui. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Confirmation fait nous tourner témoin Jésus-Christ. C'est pour ça, tout le monde qui n'a pas confirmé, il faut nous faire fort pour nous capables de recevoir confirmation, qui est un sacrement qui est très important, qui fait partie du sacrement d'initiation chrétienne. Jésus souffle sur vous. Premier sacrement, les baillons là, les soufflés sur vous, juste ça, les baillons là. L'autre sacrement, avant que lui dit tout le bagaille, lui baille monsieur un pouvoir. Lui baille monsieur un pouvoir. Tendez bien. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous mettrez ces péchés, ils seront maintenus. Les bails deux sacrements ensemble là. Les bails au confirmation et puis les bails au sacrement réconciliation, ça veut dire les pénitences là. C'est Jésus-Christ même qui va lui. C'est pas nous même le pape qui invente l'eau. C'est pas Monseigneur qui invente l'eau. C'est pas Père qui invente l'eau. C'est Jésus-Christ même. Oui. Même j'ai institué l'Eucharistie, jugé du Seigneur. C'est même lui-même encore, oui. Il joue pas la vie, levé vivant, il paraît devant monsieur, et puis il va y sacrement ça. La confirmation et sacrement, pardon. Il va y tout pouvoir pour faire ça. Et frère Maxime, pas gagner l'église sans sacrement, pas gagner sacrement sans l'église. C'est ça le cardinal Henri de Lubac dit nous, dans le livre qu'il écrit, il dit nous comme ça. La chiesa fa i sacramenti et i sacramenti fanno la chiesa. L'église fait des sacrements et les sacrements font l'église. Si pas que l'église, pas que sacrement, si pas que sacrement, pas que l'église. Qui côté nous, les sacrements, entre dans l'église. Et sacrement, ils ont fait nous être soudés dans l'église. Ils ont marié, ils ont fait un seul. Combien de fois, moi, confessé? Combien de fois, vous confessez? Et donc confesser, est-ce qu'on croit dans le sacrement ça, à tout cœur, à tout amour? Est-ce qu'on croit dans le sacrement ça, qui c'est le sacrement pardon, que Jésus-Christ va pouvoir vous pardonner péché? Ah, et c'est péché, même j'ai avec moi, papa confesse devant péché pour m'a demandé pardon. Depuis un monde, pas quoi dans le sacrement ça, yo. Depuis un monde, pas quoi dans le dogme d'église là, dogme, on va quoi dans le sacrement, yo. Eh bien, où c'est tout bagaille, où c'est membre de cette famille, où c'est légionnaire, où c'est mon capé de l'église, où sont gros bienfaiteurs, où sont gros bienfaitrices, où capable de remplir l'église là-dedans, où capable de chanter, où capable de faire tout bagaille, où capable de faire belle lecture, où capable de faire belle conseil, où capable de faire tout bon bagaille, en dans l'église catholique, sauf catholique ou pas, parce que vous ne pouvez pas camper sur moi, vous ne pouvez pas être dans sa vous ne pouvez pas être dans le dogme de l'église déclarée, vous ne pouvez pas être là-dedans, ou tout bagaille, ou paix, ou camoussé. Mais si vous avez échappé, ça l'église dit comme prêtre, ou pas quoi là-dedans, ou pas respecté, ou tout bagaille, ou c'est prêtre, ou c'est ceci, ou c'est cela, ou pas catholique, ou pas chrétien. C'est peut-être ça, comme chrétien, il faut que nous croyons dans ça l'église dit, il faut que nous respections l'église,
l'église, faut qu'on suive ça l'église mandée, parce que l'église pas jamais induit nous en erreur. C'est ça fait Elisabeth les heures répéter l'encore dit comme ça. C'est dans l'église que Dieu nous voit, c'est dans l'église que Dieu nous veut, c'est dans l'église que Dieu nous aime. L'église pas tromper, ou l'église pas mettre dans erreur. C'est pour nous marcher dans le droit chemin de l'église là, Jean l'église a mandé donc pour nous suivre là. Alors, sacrement, pénitence là, sacrement pardon, hein, nous devons approcher nous de lui. Même si nous y a, pour raison que nous connaissons, presque pas confessé encore directement, en attendant que bah, nous sommes capables d'approcher de sacrement, ou confesser la caillou, ou faire ça, il y a une pénitence intérieure. Pénitence intérieure. Lorsque pénitence intérieure, c'est lorsque vous avez une difficulté pour jeûner un prêtre pour confesser, pour demander mon Dieu pardon, pour vivre l'église là, pour faire une pénitence intérieure. Une pénitence intérieure, une pénitence extérieure. Dans la pénitence extérieure, vous extériorisez le péché à 50 ans, vous mettez le dehors, vous ne pouvez pas expliquer. Mais si vous n'avez pas de prêtre, pour faire ça qui est une pénitence intérieure, côté que vous êtes la carrière dans le confinement, ou choisir une punition ou baille tout pendant que vous demandez mon Dieu pardon. Ou tu es manger deux canards par jour, ou dit non, je dis à, au lieu de manger deux canards par jour, je vais manger un canard par semaine. Et puis, dans l'homme pour manger à midi, je vais faire un qui mangé à 3 heures. Peut-être que je vais souffrir pour me sentir grand goût. Ou bien, être en punition. On te qu'on fait, on disait chapelet, chita, on est offert à genoux, même si tu as fait mal. Si tu as fait mal, ou résister. Ou résister. On te qu'on fait, on disait chapelet, à genoux, on est choisi, on bat aux chaises, j'en ouais. Quand vous entendez qu'on mette des autres des barouchaises, vous êtes comme ça des barouchaises là, et vous allez être en punition. Vous voyez ça? Pénitence? Pénitence intérieure. Pénitence intérieure, l'offinfel, c'est dit ou, catéchèse de l'Église catholique, dit ou, il y a même valeur à lorsque vous prêtre par absolution. Si et seulement si, on ne va pas dire dans le cœur, on ne va pas le confesser dans mes pères pour mettre ma genou devant les hommes pareils. Même si j'aurais peur, on fait confesser, il mettait mes souliers pour faire dernière prière, ça dit que Dieu, notre Père, vous montre sa miséricorde par la mort et la résurrection de son Fils. Il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Que par le ministère de l'Église, il vous donne le pardon et la paix. Et moi, je pardonne tous vos péchés au nom du Père et du Saint-Esprit. Même bagarre Père a dit, l'on fait monsieur comme solution, c'est même faveur, même pardon pour monsieur voir si vous faites pénitence intérieure pendant que vous êtes en confinement. Je dis à Frère Maxime, Jésus qui va le pouvoir pour pardonner péché. Et lorsque prêtre là, pour absolution, péché a pardonné tout le monde vrai. Si vous avez la foi, si vous croyez dans sa foi, vous avez senti même comme chrétien, lorsque vous confessez devant le prêtre, j'en ai allé avec mon odeur, j'en ai loup. Vous avez senti l'eau levée devant le prêtre là, vous avez senti léger dans mon paille. Parce que mon travail qui fait dans vous, mon travail invisible qui fait dans vous, vous sentez vraiment, vous rendez tout le péché, vous remettez tout le bagage que vous faites. C'est peut-être ça, le marché de vous. Pendant que vous confessez, c'est pour nous faire confession qui est propre. Nous ne pouvons pas faire confession sacrilège. Confession sacrilège, c'est confession. Le chrétien arrivé devant le prêtre là, soit les honte ou mes anti peur, ça pour le dire, il dit, on partit, et puis il tourne avec Christ là. Et bon, tourne avec Christ là. Mais je vais dire, non, mais je ne vais pas pardonner. Il dit, sa confession sacrilège. Vous avez fait tel bagage, non, mon père, pas faire long. De ça, vous faites confession sacrilège parce que vous cachez le péché. Et même absolution pour être là-bas, vous avez des valides. Parce que vous cachez le péché que vous faites pendant que vous confessez. Dans la confession sacrilège. Je dis à Frère Maxime,
Jésus-Christ va nous pouvoir pour nous pardonner les péchés. En nous croyant plus dans le sacrement réconciliation, ça. En nous croyant plus dans le sacrement confirmation, ça. Dans deux sacrements, ça, les bails là, pendant la rencontre avec monsieur. En nous croyant plus dans ça. Et là, nous regardons. Thomas dit, monsieur, non, je ne pas croire. Si pas avec ma clé dans la main, je ne pas avec beaucoup de l'autre PCA, je ne pas croire. Et 8 jours plus tard, Jésus paraît sous monsieur. Et une autre fois encore, pendant que vous êtes confiné pour vous, qui l'autre parole Jésus dit? L'aide par temporal. Et même si par là, oui. La paix soit, en allant, la paix soit avec vous. Et même pas la paix pour vous. La paix est tellement importante, frère Maxime. Puis tout le monde, il y a un problème comme vous. Vous avez toute qualité de problème, vous avez la paix dans l'esprit. Et c'est ça qui passe. Il y a des gens qui chargent avec vous. Qui plein de richesses, avions, hélicoptères qui sont gros cailles. Mais ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas à l'aise. Et il y a des gens qui pas même pour manger. Qui te comme manger à l'ensort, les ressorts pour marcher. Qui te comme manger l'âme de l'âme pour marcher. Parce que quand on est à l'ensort, on vend 15-20 dollars. On graine l'âme, on vend 20 dollars pour graine l'âme. Alors que l'on 5 lames pour 10 gouttes, les sortes pour marcher. Des gens, c'est ça aussi qu'on est à manger. Mais maintenant, avec l'âme, avec la tête à l'ensemble, avec tiens, il mange la gaïa, il a la paix. Parce que le corps fait pour manger la gaïa, son corps qui n'est pas fait dans mauvaise condition. C'est peut-être ça, frère Maxime, recherchons la paix et la fraternité. Toujours battre pour nous en paix. Avec propre tête par nous, avec frère, actionneur. Le nous l'ennemi à nous, le nous en division. Nous esclaves péchés, nous pas en paix avec propre tête par nous. Le rail au monde, nous pas en paix avec propre tête par nous. Vous venez sentir vous dans l'insécurité parce que nous pas en paix avec propre tête par nous. Le dans l'hypocrisie, le qui division, le qui méchanceté, nous pas en paix avec propre tête par nous. Je dis à Jésus-Christ, il porte la paix à nous, en nous fait place pour nous accueillir la paix à en nous fait place pour nous recevoir la paix à dans tout le corps, dans tout âme, dans tout l'esprit, nous, même Jean de Baye, monsieur, nous l'a accueilli là. Il dit, Thomas, prends-toi, avancez, même, mettez-moi encore moins, quittez tête dure. C'est pourquoi le ça, Thomas courit devant grand maître lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Je dis à ces prières, non. Le nous pas capable, le nous un problème, nous pas capable. Mon Seigneur et mon Dieu. Le pandémie, coronavirus, a fait rage dans le monde, là, a ravagé le monde. A tué mon épidémie, pandémie, tout bagaille sa yo. Devant bagaille sa yo, mon Seigneur et mon Dieu. Devant émerveillement qu'a fait devant Dieu nous. On t'y m'en sauvé, tourné, corps Jésus-Christ. On t'y coûte du vin, tourné sans Jésus-Christ. Ou pas qu'à comprendre bagaille sa yo, les grains du mystère de la foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Ou t'es l'hôpital, ou t'es pensé ou t'es qu'à mourir. Parce que le docteur t'a dit, on ne peut pas ouais pour vous. Mais Jésus ouais pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. Ou quoi bagarre ou demandé, ou t'as demandé, ou t'as dit, est-ce que vous avez besoin vraiment? Jésus qui baoule, mon Seigneur et mon Dieu. Ou la prière, vous jouez la grâce, vous jouez la bénédiction, sans que vous avez besoin, mon Seigneur et mon Dieu. Dans toute situation, mon Seigneur et mon Dieu. Ou une force pour la prière, mon Seigneur et mon Dieu. Et l'on pas capable de la prier tout. Même Jean, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 14 à 15, parle de la prière de l'esprit. Lorsque vous fatiguez, vous pas jeune mot, vous dites pas une parole pour parler à mon Dieu, ou la gagne devant mon Dieu qui est l'esprit qui a dirigé vous. Dans le moment ça, vous dites,
mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus dit, « Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. À la chance pour nous-mêmes qui croyons que tu m'as sauvé ça, tourner quand Jésus-Christ, pendant que nous ne parlons pas rien qui fait nous seulement, ouais, pain arrêté, le pain reste le pain, le vin reste le vin, mais il y a une transsubstantiation qui fait, il est transformé. Il vient tourner quand Jésus-Christ, il vient tourner sans Jésus-Christ, nous ne parlons rien qui fait. Son petit morceau farine, nous, il est petit morceau farine, mais mon bagage qui fait là-dedans. À la chance pour nous-mêmes qui croyons dans le bagage, ça, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas croit parce que nous sommes comme là. Nous-mêmes, nous croyons. Malgré les bagailles, nous ne pouvons pas comprendre. Et les bagailles, nous ne pouvons jamais finir de comprendre. L'église, c'est mystère. Toute l'église, c'est mystère. Bon Dieu, c'est mystère. Tout bon Dieu, c'est mystère. Nous ne pouvons jamais capable de comprendre. Bon Dieu, nous ne pouvons pas comprendre l'église là. Et c'est ça que fait Saint-Augustin, dit-nous, « Si énime comprenne, dis non est de ous, si tu comprends, ce n'est pas Dieu. » Vous comprenez? On ne peut pas comprendre. « Ce n'est pas Dieu. » Tu comprends quelqu'un? Ce n'est pas Dieu. « Si énime comprenne, dis non est de ous. » Matin, frère Maximio, en nous ouvrant que nous, nommons nous l'esprit, nous, pour nous accueillir la paix, ça. Pendant la paix rentrée dans le cœur, la paix rentrée dans l'âme, la paix rentrée dans toutes les entrailles, nous avons chassé la peur, nous avons chassé toute crainte, nous avons chassé toute bagaille. La paix a permis que nous prenions précaution dans une situation. Et la paix a tout, a fait nous que tête nous placée sur deux épaules. Nous. Parce que nous avons tête nous placée sur deux épaules, nous. C'est parce que nous avons la paix dans l'âme. Comment vous voulez pour jeune moyen? En plus, nous tête chargée, fin fou semaine dernière, à ouvrir page Bible, dans Genèse, pour chercher cheveux pour vous boire, pour avoir une guérison, pour coronavirus. C'est parce qu'on n'a pas la paix dans la tête, ou la paix dans l'âme, ou la paix dans l'esprit. Ou. Mes cheveux ne sont pas guérir coronavirus. C'est parce qu'on n'a pas la paix. L'homme n'a pas la paix, tête chargée, tête bouleversée. Par contre, qui ça pour faire presque fou, il est affolé. Pas fait tête nous chargée, pas fait tête nous peur. Demande-nous là. Réponse de gagner dans la avant de demander. Lorsque vous demandez mon Dieu, avant même de parler à la parole, qui sort et besoin de parole, même Jean nous fait marcher. Petite Vérole, tu as ravagé le pays d'Haïti. Eh bien, Maman Marie, notre Dame du Père, mais tu es sur vous, icône qui t'a béni, le peuple qui t'a béni Haïti, tu es dit pas de maladie ça. C'est même gens ça de nous-mêmes comme chrétiens. Si nous la prions, nous mettons tête sous ses épaules, si nous accueillons la paix Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas l'embouer cheveux. Nous ne pouvons pas l'embouer cheveux pour nous le voir. Nous ne pouvons pas faire même genre en pilote qu'on a fait, mettre pipi dans le souhait, et puis voilà que dans demain matin, nous allons lever à boire pipi contre maladie, etc. Nous ne pouvons pas faire tête nous chaud comme ça. Nous avons quitté tête nous placer sous épaules nous, pendant que nous avons respecté les consignes que le ministère de la Santé publique ban nous. Et puis tout reste dans le même Dieu. Parce que nous vivons dans un moment là, la science pliée devant ce qui va passer là. Nous vivons dans un moment là. Tout le monde est limité, tout grand savant, tout grand chercheur, nous est que vous limité, nous est que vous ne pouvez pas priver plus loin. Nous vivons dans le moment de la formation. Jean de Pape, Jean-Paul II te dit non, la foi a raison. C'est deux ailes qui permettent des oiseaux à l'esprit humain pour nous lever en l'air, pour nous contempler la gloire de Dieu. Eh bien, la foi allait plus loin lorsque raison affaiblit. Où il y a raison affaiblie. Raison nous faiblit, nous faillons, nous décourager, en plus nous stresser, en plus nous traumatiser, en plus nous ne pouvons pas dormir, en plus nous ne pouvons pas manger, en plus nous peur parce que nous pensons qu'on mourir, en plus nous ne pouvons pas faire faire. Devant toute bagaille ça, Jésus-Christ dit nous matin, la paix soit avec vous. Recevez la paix ça, recevez la paix ça, pour chasser toute peur qui vient en vous comme monde. Recevoir la paix ça, pour chasser toute bagaille, mon abdi ou à gauche, à droite, à faire tête ou fou, presque faire affoler, recevoir la paix ça, pour tête ou placer sous ses épaules. Et pendant recevoir la paix ça, on dit Seigneur, mets le monde entier dans mes mains. Seigneur, mets Haïti dans mes mains. Tant pis, vous voulez dire un mot, pour maladie ça capable de disparaître. Même Jean, n'est-ce dit, Seigneur, je ne pas mériter pour monter la caille, moi. Mais disons seul, dit parole, non, moi, va guérir. C'est comme ça, nous sommes capables de dire grand-mère, malgré le péché de nous. Nous ne pas mériter pour faire quelque chose pour nous, non.
Mais tant pis, je dis aux seules paroles, les coronavirus, COVID-19, tout le bagage, cherchons côté où mettre quoi. Et puis nous-mêmes, comme chrétiens, comme la prière qui est la foi, devant un bagage comme ça qui fait, nous va agenouiller nous avec mes noms pour nous faire louange pour mon Dieu, pour nous dire mon Seigneur et mon Dieu, pendant tout le temps dans la vie, nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.